chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. J'ai suivi un grand nombre d'influenceurs de parler. Maman, ne me dis même pas. J'ai bien envie de demander, est-ce que vous ne savez pas que ce sont des lâches? Hein? Comment ça? Est-ce que vous ne savez pas que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux? Tu parles de qui concrètement? L'un des plus grands influenceurs du Cameroun. Qui ça? De Steve. Mmh! Yeah, yeah! Il a fait quoi? Mon frère, il sent qu'il est devenu l'ennemi. Au lieu de faire une sortie pour défendre, pour clamer justice contre Martinez Ogo, il a préféré plutôt présenter sa maison dont on sait qui sont les vrais financeurs. Quoi? Ah, donc tu connais ces financeurs alors? Il y a donc plusieurs personnes qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Sifa ne se prononce pas. Donc, il refuse de s'indigner, c'est ça? Il y a donc les gens qui s'indignent. Ok, Steve, indigne-toi. Donc, votre indignation que vous voulez qu'on fasse pour vous faire plaisir, là, sachez que nous qui avons la ligne directe du chef de l'État, on a écrit. On n'est pas obligé de venir sur Facebook pour montrer que non, on soutient ou bien on est indigné, non. Alors, on a souffert. Ha! Chégué! Petit menteur. Vous avez compris? Vous comprenez dans la compréhension? Ok, quoi d'autre? Maman. Ok, maman, c'est quoi encore? C'est seulement que les gens ne donnent pas leurs secrets ici. C'est-à-dire? Parce que moi-même, je vais seulement demander à Steve qui me montre le réseau. Hein? Le réseau de quoi? En 4 ans, 1,5 milliard. En 4 ans, 1,5 milliard de francs CFA. Et qu'est-ce qui vous surprend là? Honnêtement, pour moi, c'est une manière de nous dire « je vous emmerde ». Comment ça? Moi, je comprends rien. On t'interpelle sur l'assassinat de Martinez. On te demande de dire quelque chose. Tu dis « ok, tu vas dire quelque chose, mais tu fais la pub ». Il a préféré plutôt présenter sa maison dont on sait qui sont les vrais financeurs. Pifo, tu dis quoi? Il a préféré plutôt présenter sa maison dont on sait qui sont les vrais financeurs. Ok, qui sont-ils? Vous qui mangez toujours l'argent, qu'on détourne, machin et tout, ça vous engage tout. Godness! Je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Ok, toi-même, regarde tes images. Voici ce que tu nous as présenté. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, le Cameroun a perdu tout à l'heure face à la Suisse. Quelles sont vos impressions, monsieur? Et c'est le premier match des Lions. Quelles sont vos impressions? Tout ce que je veux dire, c'est que ça a cuit. C'est toi-même dans cette voiture. Après ta sortie de la prison, tu nous as présenté celle-ci. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. C'est toi-même qui as fait ce post. Après ta sortie de prison, pour nous dire, tu as acheté une voiture de 5 500 000 francs. Eh oui! Après, tu nous présentes encore beaucoup d'argent que tu es en train de gaspiller dans une boîte de nuit en buvant des champagnes avec des filles. Que vous voyez comme ça là, ça c'est pour payer le champagne le soir. Même si on veut, on n'a qu'à couper mon courant. Si vous voulez aller enlever mon compteur d'eau, je m'en fous. Pause publicitaire. Pour tous ceux qui vont se marier ou alors tous ceux qui vont célébrer un événement en 2023. Le complexe Las Vegas vous attend. C'est-à-dire? Le complexe Las Vegas est cet espace doté de deux salles de fête VIP de 3300 places climatisées, d'un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP et 10 chambres classiques, d'un restaurant purement africain et d'un snack bar VIP. Quand vous célébrez votre événement au complexe Las Vegas, le complexe vous offre la sonorisation, y compris le Didier, la décoration, les chaises royales et un tapis rouge pour les mariés. Le complexe Las Vegas dispose des jeux de lumière importés, d'un château d'eau et d'un générateur en cas de coupure d'électricité. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Okay. Non, c'est bien, ça a félicité honnêtement. Sa maison dont on sait qui sont les vrais financeurs. Ok, mon cher Pifo, explique-nous aussi où tu prends tout cet argent. Comme vous demandez les explications à Steve Fa. Je vous l'avais dit que Steve Fa est dans une dimension maintenant là que mon frère, il ne peut même pas soulever ses pieds. Comment ça, Aïcha? Tu dis que quand j'ai vu ça, ma bouche est restée. Ta bouche est restée comment, ma mère? Non, dis que ma bouche est restée, c'est du. Aïcha, quand moi j'ai vu ton immeuble ici, que toi-même tu as bâti ici au Cameroun, moi-même, ma bouche est restée comme ça.
J'ai compris que le Bamiliké l'a compris que non. À l'heure sinon, mieux il cherche lui ses dos. Un peu comme toi, non, ma chérie. Non, mon frère. Au moins, ce qu'il est en train de faire est bien. Il investit. Un peu comme toi. Il investit. Donc, c'est une très bonne chose. Et ce n'est qu'à féliciter. C'est pour cette raison que je soutiens Steve Fa. Ce n'est qu'à féliciter. Et il faut qu'on prenne ça comme exemple. C'est-à-dire, il faut que nous aussi, on puisse entreprendre. Maman, tu as montré l'exemple depuis. Dis-nous aussi comment tu fais pour avoir cet argent, non? Il faut aussi que nous, on puisse entreprendre. Bon, bref, moi, je prends ça comme un exemple. Ça me permet d'intensifier aussi mes projets, d'être un peu plus visionnaire, d'avoir un peu des idées un peu plus développées. Moi également. Et je profite de cette occasion pour inviter tous mes jeunes frères camerounais à réfléchir dans ce sens. Ça, c'est clair. Vous voyez un peu, non? Malgré que je ne suis encore rien, il y a beaucoup de jaloux derrière moi. Hein. Ah bon? Écoutez celui-ci. On a même lu sur le compte. Mon prix. On doit affamer. Je profite de cette sortie de Franco le Mignon. On y va. Voilà des gens. J'entends. Qui font des vidéos. Pour gagner de l'argent. 100 francs sur les 100. Sur le dos des pauvres. Tu dis, alors qu'il n'y a même pas de rétroviseur, mon frère. Cela, mais parfois j'ai l'impression qu'ils ont raison. Où Dieu existe où? Tu penses que tu moi, depuis que je suis né, on m'a dit que Dieu existe. Et moi, je sais que Dieu est la vie. Mais sache que ce sont les enfants du pacte. C'est Dieu qui me donne cette vie. Nous disons que Dieu n'existe pas, qu'on ne doit pas rester. Son problème même, c'est quoi au juste? Point d'interrogation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, il faut liker, il faut me laisser un commentaire. Et si tu es nouveau, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Si tu es ancien, tu n'ignores rien. Partagez tout simplement la vidéo pour m'encourager. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.